C'est lundi, jour de PEC, après presque 2 mois sans faire les pecs, avec mon épaule qui me dérangeait un peu. C'est pas trop grave, les pecs, je n'ai pas trop, c'est plutôt un point fort pour moi, donc c'est pas une priorité du tout. Donc j'ai aucun souci à pas les entraîner pour un moment. Aujourd'hui, on a essayé de faire les pecs pour juste amener un peu de sang. Je sais pas si je le ferai la semaine prochaine, juste pour pas complètement abandonner. Et puis quand je reprends, c'est faible et les tendons sont plus habitués à ce que ce soit. Donc, alors aujourd'hui c'est une petite séance de pec, rien d'extrême. On commence avec le pec deck, machine pour pré-fatiguer le haut des pecs. Et on passe au deuxième exercice, développé incliné. Et vous m'avez déjà vu faire 3, 4 plaques ou autre. Aujourd'hui on va rester avec 2 plaques, j'ai pas fait un moment justement. Et c'est pas le but de se faire mal, le but justement de se réhabituer au mouvement, aux sensations. Et même avec ça je suis sûrement courbaturé demain. Donc, voilà. Deuxième exercice, incliné.
Donc troisième exercice après l'incliné, on a fait du développé couché sur la machine avec une prise neutre. Donc c'est vraiment top pour faire le centre des pectoraux, vraiment travailler la partie antérieure des pectoraux. Donc la masse globale, on a une grosse pump là-dessus, troisième exercice. 4 séries, on monte chaque série plus de poids, mais comme vous voyez, je ne fais pas de faire mal vraiment pour être sûr que mon épaule guérisse et continue à s'améliorer. Je contrôle vraiment la charge sur cet exercice-là. 4 séries, on passe à la suite. Quatrième exercice, on a fait du développé décliné cette fois sur la machine Hammer Strength. 4 séries, pareil, on ne sait pas de faire trop de poids. Comme je vous ai dit, ça fait un moment que je n'ai pas fait les pecs. Donc on se met juste en bonne position, contracter les pecs sur chaque répétition, vraiment contrôler la charge. Le pump se fait vraiment sentir. Et donc voilà, on continue 4 séries ici, on passe à la suite. Et cinquième et dernier exercice, donc on a fait ici de l'écarté incliné avec les câbles, mais vraiment pour la partie supérieure claviculaire des pectoraux, donc vraiment la partie très haute. Ici on a donc les câbles qui sont bas, positionnés bas, et on fait vraiment un pas en avant pour vraiment gagner l'étirement en bas de l'exercice. Et après quand on monte, on fait vraiment un mouvement circulaire vers le haut. Donc on s'est légèrement écarté, mais c'est pas un écarté vraiment, donc on étire sur le côté, on étire vers l'arrière plutôt, vraiment pour engager, se sentir ce haut des pecs, donc vraiment la clavicule, juste à côté du deltoïde intérieur, de stretcher et monter, vraiment garder la main en supination pour vraiment engager le pectoral en haut du mouvement. Si on a tendance à tourner, on va perdre cette sensation ici. Ça va même si le fait de simplement de mettre le coude comme ça, vous allez sentir directement la partie claviculaire s'engager, et quand vous relâchez en retournant le coude vers l'extérieur, ça va, la tension va partir d'ici. Donc imaginez quand vous avez du poids en plus et que vous faites l'exercice à la machine. Super exercice vraiment pour gestionner cette partie du pectoral. Et pour finir notre séance, rien de trop lourd ici, la série, et voilà. Boum.
Fini l'entraînement, prends des acides aminés pour commencer la récupération et ensuite on va manger un bon petit repas.